sinistrés dans Cadito. Des maisons à démolir. Différentes constructions ont été érigées au-dessus des canaux d'évacuation des eaux usées situés non loin du marché d'Ankadmaouk, ce qui a entraîné une obstruction de ces canaux. Plus de 300 personnes issues du quartier d'Ankadto Marou baignent ainsi dans les eaux sales depuis plusieurs jours. La situation est tellement catastrophique que les habitants ont estimé nécessaire de se plaindre auprès des autorités compétentes, notamment le SAMVA. Max Rakutwarissou, technicien du SAMVA, a fait savoir que par conséquent, plusieurs constructions devront être démolies pour libérer le canal. Ces techniciens ont pris la peine de descendre sur place pour constater l'ampleur des dégâts. Ils ont appris à cette occasion qu'une quarantaine de maisons sont touchées par ce fléau. Les enfants en sont les principales victimes, souffrant de diarrhée à cause d'un environnement insalubre.